Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir orthographe et dictée, l'accord de l'adjectif qualificatif. Alors, Radin Choufou, le support, le texte support, ou Radin Jorou, elle a les questions d'entraînement et d'évaluation. Donc, le musée du Louvre est l'un des plus grands musées au monde. Ce site culturel et artistique est situé au cœur de la ville de Paris, près de la rive droite de la Seine. Le bâtiment est un ancien palais royal. Parmi ses pièces les plus célèbres figure la Joconde. Voilà le texte. Alors, que décrit-on dans ce texte? Donc, on décrit le musée du Louvre. Comment est le musée du Louvre? Donc, c'est l'un des plus grands musées au monde, bien sûr. C'est un site culturel et artistique. Elle est située au cœur de la ville de Paris, près de la rive droite de la Seine. Près de quelle rive de la Seine, de la Seine, le musée de la Seine, le Paris, le musée du Louvre était situé donc près de la rive droite. L'Yumna de la Seine. Quelle est la nature des mots qui t'ont permis de répondre aux questions 2 et 3? Donc, ce sont des adjectifs qualificatifs. Plus grand, droite, grand, droite. Ce sont des adjectifs qualificatifs. Pourquoi l'adjectif qualificatif grand est-il écrit au masculin pluriel dans la première phrase? Donc, bien sûr, le musée est au masculin pluriel. Donc, musée, musée, un grand musée. Donc, grand, quand on s'appelle un musée. Donc, masculin pluriel. Donc, l'adjectif, c'est le masculin pluriel. Alors, je complète le tableau à partir du texte. On dit musée, pluriel. Donc, on dit grand, pluriel grand. Donc, masculin pluriel. Site. Donc, site, le nom. L'adjectif, on dit culturel. Culturel. Donc, masculin singulier. Site artistique masculin singulier, rive, donc la rive droite, elle a singulier, féminin, féminin singulier, féminin singulier. Voilà. Alors, dans la première phrase, je remplace le musée du Louvre par la tour Eiffel. Elle est radine le masculin singulier, le féminin singulier. Et musée, radine tour. Elle est radine le masculin pluriel, le féminin pluriel. Puis, je réécris la phrase. Donc, la tour Eiffel est l'une. Donc, un, une, les plus grandes, BES, grandes tours. Donc, et l'un est l'une des plus grandes tours. Voilà. Alors, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom ou le pronom qu'il qualifie. Nikitsarf. Il est qu'un هذاك féminin l'autre qui est féminin يعني النعت النعت دائما يتبعوا المنعوت يعني في العربيه كنقولوا النعت كما كان يعني داك القواعد كامله اللي كيطبقوا على النعت كيطبقوا على الادجكتيف كاليفيكاتيف اللي عندنا حنايا في الفرنسي. النعت يتبعه في التذكير في التأنيث في التعريف في التثنيه في الافراد في الجمع يعني في كل شيء الصفات والحركات نفس الشيء بالنسبه للادجكتيف كاليفيكاتيف. Un jardin propre, des jardins propres. Masculin, masculin. Pluriel, pluriel. Féminin, féminin. Féminin pluriel, masculin, masculin. Féminin pluriel, féminin pluriel. Donc, il existe des cas particuliers. Qu'il y ait des cas particuliers. L'adjectif mal masculin, il a dit le féminin qui est. Quand on par exemple un nouveau. Étudiant, talibun jadid, ma kangoulouch un nouveau étudiant, kangoulou une nouvelle étudiante, ma kangoulou un homme fou, rajl hmak, kangoulou une femme folle, ma kangoulouch une femme fou, marahmka, non, kangoulou folle, une femme folle, kangoulou blanc, blanche, beau, belle, vieux, vieille, donc hna kitbdel carrément l'adjectif. Alors, je complète le tableau suivant. L'adjectif qualificatif au nom ou bien au masculin singulier, le pluriel, le féminin singulier, le féminin pluriel. Donc, quand je regarde l'accord, P
petit petit petite petite es heureux heureux x هنا كيبقى بحال بحال heureuse heureuse es étroit étroit s étroite e étroite es long long donc هنا كنزيد s long long attentif هنا attentif s ولكن في الفيمينا كنقولوا attentive 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 es. Alors je relis civilisation civilisation كنقولوا civilisation universelle SS, musée, musée ancien, objet, S, objet, donc varié, objet varié, place jolie, donc place jolie, on a dit place, on a dit objet, donc objet, voilà, ancien musée, civilisation universelle. Radim, je d'abord, je me value. Je mets au féminin pluriel les adjectifs suivants. Nouveau, nouvelle. Féminin pluriel. Mais c'est le féminin. Féminin pluriel. Donc, féminin pluriel. J'aime le mot en net. Lourd, lourde, ES. Doué, doué, kanzid, ES. Clair, clair, ES. Lumineux, lumineuse, ES. Spacieux, spacieuse, ES. J'accorde correctement les adjectifs qualificatifs mis entre parenthèses. Donc, cette histoire féminin singulier et amusante. Radinzit e dit le féminin. Ces documents, documents, on dit masculin pluriel, donc sont très intéressants. Radinzit S2 pluriel. Cette pièce de théâtre, kangoulo une pièce, ou bien ces pièces de théâtre, kangoulo une pièce de théâtre, ou là, les pièces de théâtre. Donc, féminin pluriel, comique, radinzid les S, rangoulo, sans comique, sans comique. Cette œuvre artistique, donc féminin singulier, cette œuvre féminin singulier, est beau. Et là, je vais dire, est beau, zid E, non, est belle, là, bhalad l'hala, ketgir l'adjectif. Donc, le masculin, le féminin, est belle. Donc, cette œuvre artistique est belle. Donc voilà, les réponses concernant l'orthographe dictée, l'accord de l'adjectif qualificatif. Donc, le cours est important, il y a un examen. Donc, l'accord de l'adjectif qualificatif, mais les leçons qui sont dans l'examen, c'est quelque chose qui est primordial, essentiel, ça va être dans l'examen. Donc, on va sur l'accord ورد البال فيمينان بلوريال اتسيتيرا. اذا نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. اذا الفيديو الجاي ان شاء الله غنشوفو ليكسيك لي جونتيلي. ا بيانتو.